Bonjour, bienvenue à l'atelier Mimi Créatif. On se retrouve pour une vidéo réalisation. J'ai terminé un bloc comme ceci. C'est la suite des boules de Noël que j'avais fait. Donc voilà ce qui me reste du carnet. Ça, c'est un deuxième, j'en avais pris deux. Donc c'est les blocs qu'on trouve en ce moment chez Action. Donc j'avais réalisé dans un premier temps plusieurs boules de plusieurs tailles différentes. Là, donc là, j'en ai refait quatre. Et le reste, avec le reste, j'ai fait des cartes. Alors, celles-ci, voilà les dernières boules que j'ai réalisées. Alors, elles font 12 cm de rayon, non, diamètre. Je les ai achetées chez Cultura. Par contre, le prix, je crois que c'était 2,99 € ou 1,99 € la boule. Et voilà ce que j'ai réalisé. Donc j'en ai pris deux et du coup ça m'a fait quatre demi-boules. Donc voilà, elle vient de compléter ma collection d'autres boules que j'avais fait, les plus grandes. Et puis je ne sais pas si j'en avais fait d'autres, des moyennes. Et avec les restes de déco, j'ai fait quelques cartes pour finir. J'ai rajouté des petites gouttes de paillettes. Là, j'ai mis de la paillette tout autour. J'ai donc fait ça sur des bases de cartes blanches. Très beau celle-ci. Voilà, donc pour un dernière création de mes boules de Noël, je vous les remontre. Et donc le papier qui est autour, c'est dans les grands blocs 30 par 30 qu'on trouve en ce moment de Noël. Je suis restée dans le même bloc. Il n'y a plus qu'à mettre les rubans pour les accrocher. Voilà, dernière réalisation. Et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut!